À l'époque, absolument tout passait par Franck. Les plans, les ordres, l'argent. C'est lui qui donnait le feu vert, de jour comme de nuit. Ah, Tommy. Franck a dit de l'attendre dans le garage derrière. Il y a du boulot pour toi. Merci, Luigi. Sarah cuisine quelque chose. Elle va l'apporter. Avec ce temps. Ah, quelle bonne petite. On se voit demain, Luigi. Bien sûr, à l'époque, quand le boss travaillait encore pour Pepon, on a dû s'occuper d'un type. Un politicien qui touchait... Merci pour ta patience, Tom. Le Don et moi, on devait revoir les chiffres du mois dernier. Bien sûr. C'est quoi le boulot ? Je veux que tu aides Sam et Polly avec une cargaison qui doit arriver cette nuit. L'agneau ? Tout droit du Canada. Qu'est-ce que je dois faire ? Sam est parti à la rencontre de nos amis du Nord dans une ferme paumée. C'est Polly qui supervise la livraison par camion dans la ville, mais je veux que tu y ailles avec lui. On n'est jamais trop prudent. Assure-toi que tout se passe bien. Ok. Prends une caisse, cher Alfie, et retrouve Polly dans l'entrepôt. Il a aussi des flingues, au cas où ça chaufferait. Ok, Franck, je m'en charge. Bien. Prends soin de la cargaison canadienne, Tommy. Il y a déjà une caisse réservée pour le Don. Tu bosses tard? Je dors quand Franck dort. Mais là, on dort pas beaucoup. Morello grignote le business de tous les côtés, Ralph. La gnôle, c'est notre spécialité. On peut pas se permettre de lâcher ça. Oh, tu sais, moi je m'occupe juste des bagnoles, Tom. J'ai encore changé les plaques. C'est plus prudent. On se voit demain. Ok.
Grouille-toi, Tom! Hé! Hé! Fais gaffe, merde! Je venais de sécher! Désolé. T'es déjà allé là-bas? Ah ouais. On a déjà fait quelques livraisons à la ferme. T'inquiète, y a rien ici à part de la bouse de vache et de l'agneau. Ça sera vite réglé, cette histoire. Les gars chargent les camions et on rentre direct à la maison. Ouais, on perd pas de temps. J'ai un truc à faire après. Ah, t'as vu Sarah récemment? C'est la petite de Luigi, ton plan nocturne. T'es un sacré numéro, toi. Tu protèges la virginité de la fille le lundi et tu lui la voles le mardi. Ferme-la, Polly. Non, c'est bon. Je plaisantais. Elle est bien, la petite. Si tu te poses, elle sera parfaite pour toi. Il n'y a personne qui m'attend. Et en plus, elle doit avoir des tonnes d'anecdotes sur son vieux. Luigi, c'était un sacré bonhomme à la grande époque. Ça, j'en sais rien. Tu savais qu'elle donnait un coup de main au bar depuis toute petite? Elle a dû entendre et voir de ces trucs. Elle doit en savoir plus sur le business que nous tous. Elle sait en tout cas qu'il ne faut pas me poser trop de questions. C'est bien. Elle arrivera même pas à faire de toi un menteur. Merde. Rien que pour ça, faut que tu l'épouses. Ah, oh, c'est pas vrai. Sam devait nous attendre ici, mais je le vois pas. Y a un truc qui cloche, là. Te bourre pas le mou comme ça, ça va aller. Il a dû se mettre à l'abri de la pluie. Bon, allez, rentrer l'agneau. Ça va le réveiller. Il sort toujours pas. Ok. On va le chercher. Si ce salopard est pété comme un coin et que je bousille un costume neuf pour rien, je te jure que je le descends. Tiens. Dans le cas où Franck ait raison. Je vais chercher les gars, et je les mets au parfum. Toi, tu pars devant pour voir ce qui se passe. On te retrouve là-bas. Le gars qu'on paie pour garder cet endroit, ça voulait même pas lui donner une apparence de ferme.
Ça sent pas bon tout ça. Désert. Quel genre d'homme peut tuer un chien comme ça? Putain de merde, Sam! Thank you.
Hé, mon pote. Merde. Allez, lâche ton arme. Toi d'abord. On n'a pas le temps de jouer à ça. Désolé, mon pote. Ça risque de piquer un peu. Je prends le risque. Amenez-vous par ici. Il est foutu, je l'ai coincé. Tom. Polly, tu faisais quoi, merde? Cherchais Sammy. Tu l'as trouvé? Non, pas encore. Là que lui. C'est un Canadien. Et évidemment, tout le reste de l'équipe a été refroidi aussi. Oh merde. C'est des flics, Tommy. J'en savais rien. Ils ont pas sorti d'ainsi. Putain, ils ont rien dit. Morello a dû se les mettre à la bonne. Le salopard. Il peut même pas nous laisser un seul trafic. Laisse tomber, Tom. On doit retrouver Sam et se tirer d'ici. Là, rigole pas. Je crois que c'est des flics des frontières. C'est clair qu'ils sont pas tendres. À côté, les poulets de Lost Haven ont l'air de chatons inoffensifs. Fermez, Polly. Tommy, faut que tu viennes. Je crois qu'on a retrouvé les Canadiens. Tu vois Sam quelque part? Non. Bon, c'est déjà ça. Merde, les pauvres.
massacrer ce type. Je vois. Les douaniers font le sale boulot de Morello. Tiens bon. Faut aller le chercher. Vous restez là et vous surveillez la zone. Plombez tout ce qui approche à moins de 100 mètres. Sauf nous. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils m'ont eu. Ah putain, je pisse le sang. Tu peux marcher ? Non. Non, je crois pas. Ok. C'est bon, ça va aller. Je vais chercher le camion. On va t'amener chez le docteur. Tu vas t'en sortir, Sam. Tommy, reste avec lui. Je reviens tout de suite. Ce sera pas long. Ok. Hey,
Ça va aller, Sam, t'inquiète pas. On a connu pire que ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Et d'où ils viennent, tous ces types? Là, t'as dépassé les bords. Heureusement que tu t'es pointé. Pas un endroit pour mourir. Vite fait, sinon je suis mort. Merde, Polly, où est-ce que t'es passé? Merde, allez. Putain. Voilà, bien, Vincent. Tony, Donnie ? Ouais. Putain, c'est un vrai massacre. Comment va Sam ? Pas pire que tout à l'heure. Je vais le chercher. Surveille le coin. Viens, mon pote. Rentre chez nous. J'ai besoin d'un tout bim, Polly. Ouais, c'est bien, ça. Accroche-toi. Je te tiens, je te tiens. Voilà. Ok. Bien. On va aller s'installer. Polly, il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Montre.
Je suis juste là, Sam. Il y a des munitions et une mitraillette quelque part à l'arrière. S'ils vont derrière le camion, arrosse les fumiers. Ils doivent pas nous dépasser. Ce machin là-bas est énorme. Mais merde, où est-ce qu'ils ont trouvé un engin pareil? Ils ont appelé des renforts. Faites fort, reste connard. Alors, ça vous plaît, ça? Bande de connards! Et voilà les mauvaises nouvelles. Il y en a d'autres qui arrivent sur les côtés. Ah, fais chier. Putain, ils nous collent au cul. Qui est en train de tomber en miettes. Les gars. Ah, bleu!
on doit les semer. On a réussi. On l'a fait. Voilà, c'est ici. Tom, aide Sam à sortir. Je vais réveiller le Toubib. Sam. On a réussi. On est arrivé chez le docteur. Je t'en dois encore une. Polly ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ouais. Bonsoir, Doc. Désolé de vous réveiller, mais on a eu un petit accident. On a un blessé avec nous. Bon, amenez-le à l'intérieur. Ok, merci. Je vais rester avec Sam. Tu peux repartir avec le camion. On se voit demain. Non, j'attends ici. Le Doc a déjà assez d'ombre comme ça. Ça sert à rien de rester là tous les deux. Vas-y, Tom. Ça va aller. Ok. Hé. Tu t'en es bien sorti.
t'es en retard. Le dîner est froid. Le boulot. Épouse-moi.